Salut à tous, c'est parti pour la causerie. Ça va être un gros match, Bourgoin-Tarbes, parce que Bourgoin est sorti du top 6. Et Tarbes qui arrache une belle victoire importante et qui continue sa belle série. Tarbes c'est du solide avec Anthony Fuertes en ce moment qui est en feu. Donc ça promet vraiment une belle confrontation avec Bourgoin. Suez-Bressane, gros choc avec malheureusement Nice qui a plus vraiment le droit à l'erreur. Malgré leur match très serré contre Tarbes, ils sont inclinés. Et Bourg-en-Bresse qui a très bien réagi face à Narbonne après le revers de la semaine d'avant. Donc gros choc. À Montfermeil, c'est une preuve que tous les matchs sont importants. Mais je pense que les deux équipes doivent continuer à rêver pour intégrer ces 6. Même s'ils sont un peu loin, pourquoi pas créer l'exploit et vivre quelque chose de grand pour ces deux équipes. Le problème de Narbonne, c'est que c'est une équipe qui a des joueurs fabuleux, à l'image de leurs Brésiliens, mais qui ne montrent pas de régularité dans leurs résultats et leur manière de jouer. Ça sera difficile pour Chambéry. Après, je serai eux, je tenterai maximum aussi, et pourquoi pas rêver et vivre quelque chose de grand à la fin. Hein. Énorme choc avec Albi qui se rapproche du top 2 et Dax qui connaît sa première défaite depuis très très longtemps. Donc je pense que ça peut faire des étincelles et ça va être un match très très intéressant à regarder. C'est les meilleurs matchs pour préparer les phases finales et se confronter à ce qui va se faire à la fin, c'est-à-dire le plus haut. Donc moi je serai Albi, effectivement, je serai l'équipe d'Albi, effectivement je me préparerai du mieux possible et ferai le meilleur match possible contre cette équipe de Dax. Ces deux équipes un peu opposées cette saison, avec une grosse équipe du Verder qui montre de très belles choses et de très bons résultats, et une équipe de Suresnes qui s'enfonce malheureusement petit à petit et qui n'arrive pas à trouver son rythme et à trouver des victoires surtout. Donc pourquoi pas se confronter à ce qui se fait de mieux dans cette nationale pour rebondir. Le Verder, ils ont montré là, avec leur 8 essais face à Bourgoin, qui fait partie des prétendants au top 6, on le rappelle, qu'il faudra compter sur eux et que ça va pas être facile de les éloigner de leurs ambitions et de leurs objectifs. Ouais, match très important pour le maintien. Hier n'aura pas le droit à l'erreur contre Cognac avec sa défaite la semaine dernière contre Chambéry. Et même s'ils sont plutôt costauds cette année à domicile et que ça devrait le faire face à cette équipe de Cognac, attention parce qu'on a Rennes qui est très, très proche derrière et qui a envie de revenir sur hier. C'est une équipe très courageuse cette équipe de hier et elle n'a jamais rien, notamment à domicile, donc ça sera compliqué jusqu'au bout pour les équipes qui vont venir s'y confronter. Ça sera très compliqué face à Blagnac pour Rennes, même si ils sortent d'une victoire très importante pour eux, qui les rapproche de hier et qui on va dire, les fait rêver pour les rattraper et pouvoir se maintenir. Maintenant, ils vont affronter Blagnac qui est en pleine confiance, qui vient de battre Dax, pardon. Et qui sera très difficile à manœuvrer. C'est un petit coup de cœur pour Rennes qui malgré leur classement et leurs mauvais résultats, envoient du jeu, essayent des choses et qui ne sont pas payés malheureusement et qui sont un peu victimes du réalisme des gros écuries de cette nationale. Gros coup de cœur pour cette équipe de Blagnac qui déjà s'installe confortablement dans ce top 6, qui montre énormément de belles choses, qui n'a pas perdu encore en 2023, qui bat le leader la semaine dernière et qui a des joueurs, des jeunes, des plus anciens et certains qui travaillent, donc chapeau et gros coup de cœur. Allez, c'est terminé pour la causerie, maintenant place au match.